Ok, donc globalement, il y a deux types de mix que j'ai exécutés. Donc c'est vraiment, il y a plein de nuances, mais sur le fait, c'est soit on a un mix très sec avec le cut mix, soit on a un mix qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus travaillé avec les potards, que j'ai appelé ça le wide mix pour lui donner un peu un nom. L'idée, en fait, c'est de comprendre que toutes les musiques ne se mixent pas de la même manière. Quand tu mixes, tu vas pas couper sèchement quelque chose si t'es dans une partie où le son est très réverbéré, est très, enfin, a des évolutions très douces. Dans la progressive, on a des évolutions assez douces en principe. Donc tu vas pas commencer à jouer beaucoup plus sèchement parce que à ce moment-là, ça collera plus du tout avec la track. Tu prends de la deep house par exemple. Si tu mixes la deep house, tu dois vraiment être au millimètre sur tes potards parce que c'est un son qui est très doux, c'est un son qui est très lent, qui est très progressif. Donc si tu commences à mixer comme tu mixes de la dubstep ou du dubstep, ça dépend si tu as envie de dire le ou la, mais bon, en anglais, il n'y a pas de masculin, féminin. Polémique à part. Donc tu vas le dubstep, tu vas mixer beaucoup plus sèchement en fait ta track que de la deep. Si la deep, tu commences à faire du cut, encore une fois, c'est pas impossible à faire, mais c'est beaucoup moins adapté. Il faut le faire d'une façon beaucoup plus smoothie, tu vois. Donc là, par exemple, on peut faire du passe-passe assez facilement avec ce genre de son. Voilà, donc adapte ton style de mix en fonction de l'évolution d'une track, de la façon dont la track est construite pour vraiment rentrer dans le truc, pour vraiment pas choquer les oreilles, pour avoir une cohérence. C'est tout pour cette vidéo, un petit like, un petit partage. Moi je te dis déjà à la prochaine, allez, ciao!